Les amis, bonjour. Marie, bonjour. Bonjour. Marie Buteau. Marie Vertichère. Marie Fillon. Fais voir ton petit costume que t'as mis. C'est incroyable. Mais elle est belle. Elle est petit bouton. C'était bien la route aujourd'hui? Une catastrophe. 1h30. Atroce. Ah ouais. Marcoussi. Marcoussi. Moi, ça allait parce qu'aujourd'hui, on est chez Shiftech Paris West. Donc à Conflans, donc c'est très très bien, ça me rapproche, mais ça retarde Marie, malheureusement. Aujourd'hui, on se retrouve ici pour une vidéo assez bizarre, où on va flasher, enfin faire un stage 1 sur le 3008, donc le vulgaire stage 1 entre guillemets, mais qui fait le taf, c'est-à-dire carto et filtre, voilà. Moi, j'avais comme projet et comme idée, parce que vous connaissez, je suis un peu fatigué du cerveau, je voulais carrément faire un truc monstrueux sur cette caisse. Vraiment genre stage 3, le turbo, le truc, le machin, tout le monde m'a dit non. Il y a même, on m'a dit non, ça sert à rien, non, tu vas briller vif dedans, ça sert à rien. Donc du coup, en parlant avec Medo et Elder qu'on attend parce qu'il est bouché dans il est bloqué dans les bouchons, m'ont dit écoute, reste tranquille, t'as plein d'autres caisses. Ils m'ont raisonné, ils m'ont dit écoute, ça tu veux rigoler, on va te faire un stage 1, ça peut être bien aussi parce que c'est vrai que ça va réveiller un peu la voiture, etc. Mais il faut aussi que ça reste logique. Donc du coup, ce qu'on va faire, un passage au banc d'origine. Vous le rappelez, il avait déjà été exécuté il y a quelques mois de ça, la vidéo est sur la chaîne. On avait sorti 181 chevaux, le moteur étant donné pour 180 sur le papier. Et donc on va voir un peu le résultat. Ensuite, une fois qu'on aura fait le passage d'origine, on va installer les pièces, la carto et le filtre. Et ensuite, on refera un deuxième passage au banc, ou un troisième, ça dépend, pour voir où est-ce qu'on en est. Et on verra un peu ce que ça sent. Voilà. Alors du coup, 167 chevaux, 234 newtons. Elle a perdu 20 chevaux en 6 mois quoi. Ouais. Mais pourquoi? C'est le tarif Peugeot. Non mais sérieux à ce point là? Française, ouais, en général ça sort toujours un peu moins, un 6 THP. Non mais attends, on va remettre les choses au clair. J'étais venu, on l'avait flashé, on l'avait shooté d'origine. Après, pour le délire. Mmh. Elle avait sorti 181 chevaux. Dans cet espace-temps, j'ai fait juste la révision frère. Ouais, après, elle a combien de kilomètres là? 20 000. 20 000. Après, ça dépend des conditions. Le banc, c'est toujours différent de l'un à l'autre. D'accord. Ah et putain, et moi, je me vantais partout. Ah, 180 chevaux! Un monstre! On a décidé de refaire un deuxième shoot parce que c'est pas normal.
travailler, je pense, le premier cours. Ah, ça va, on sera. 24 heures. Mais on bon, elle est chelou, la courbe en plus. Ouais, la courbe, elle est folle, quoi. On va faire une moyenne des deux et ça fera la. Ça fera la puissance, quoi. Voilà. Bon. Écoute, j'ai hâte de voir quand même le résultat. 165. C'est pas bon. Ah ouais, non. C'est nul. 170, c'est cool. Et t'as souvent ça avec les voitures françaises ? Ouais, un litre 6 THP très, souvent très fréquemment. Ouais. Ouais. Bon, bah j'espère qu'avec avec la petite carto et le filtre, ouais, ça va aller mieux. On va essayer de rattraper ça. Ouais, ça serait bien. Bah écoute, vas-y, on va voir ça. Hein. Allez. Donc du coup, on a fait les deux passages au banc. Comme vous avez vu, il y a une différence entre le premier et le deuxième. Mais alors là où il y a une vraie inconnue, c'est que pour le coup, alors certes, cette voiture, je la conduis quasiment tous les jours. Et vraiment, je la conduis comme un assassin. Je la conduis comme un cochon. Marie peut en témoigner. Je suis témoin. témoin. mais là où je comprends pas, c'est que vraiment, je la respecte à mort. Vraiment, véridique. Après, quand même, moi, j'ai une gueule, vous pouvez me donner le bon Dieu sans confession. Hein. Je la fais chauffer, temps de chauffe respecté. Vraiment, ça, je rigole parce que c'est affreux, mais vraiment, je la respecte vraiment. Temps de chauffe toujours respecté. Dès que je m'arrête, je laisse le turbo refroidir. Non, c'est vrai, Marie. Oui. Tu l'as bien vu de tes yeux. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Surtout que l'entretien sur cette caisse, il est incroyable. Elle a 20 000 km. Elle a déjà eu toutes les bougies changées. La vidange. Écoute-moi, 950 euros à la clé. Hein. Je suis pas un menteur. Donc, du coup, je comprends pas. Je comprends pas. Peut-être c'est ma conduite. Peut-être que c'est beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça peut être? Même peut-être le vent. Mais bon, en tout cas, si frérot, tu me dis que c'est un litre 6 THP. Voilà, c'est très bien. C'est très très bien. Donc du coup, là, qu'est-ce que tu fais? Là, on va lire le calculateur. D'accord. Donc, mais non, il faut que tu l'enlèves. Ouais, c'est directement dessus. Le nouveau calculateur, ça passe plus à l'OBD. Ça passe plus à l'OBD maintenant. Ça dépend, en fait, ton calculateur, mais là, non. Ouais, chiant jusqu'au bout, le bordel. Bon, j'avais quand même demandé à LDR... un immense filtre, mais moi je voulais le gros cône, tu vois, le cône qui arrive là, la cône de mort, mais je pense que ça sera pas possible, hein, donc on va se contenter de ce qu'on aura aujourd'hui. Qu'est-ce t'en dites? Quand même, on a vécu avec cette caisse, hein. C'est vrai. Quand on est parti à l'OEAC, c'était la guerre. On était parti à l'OEAC, Marie et moi, j'avais commencé à conduire, j'avais fait une conduite digne conduite. Là vraiment, c'était il se passait quelque chose, tu vois. J'ai eu une chatte incroyable ce jour-là, d'ailleurs, parce que j'étais à ça de me faire sauter sur l'autoroute, et finalement ça s'est passé. C'est Marie qui a repris ensuite le volant. On a eu une panne de clim. Il faut savoir que ce jour-là, il faisait une chaleur affriolante. Horrible. Panne de clim nette. Ouais. Marie dans l'OEAC, prise de panique, qui conduisait comme la mort pour qu'on arrive à trouver l'endroit où on devait aller. Et le lendemain, tout est reparti normalement. Et quand je l'ai emmené chez Peugeot, j'ai dit j'ai eu un souci de clim. Ils m'ont dit RAS. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu dire. Mais bon, la clim marche en tout cas. Bon. Donc là, pour le moment, on en est là. Donc là, il faut sortir le calculo. C'est un bourbier misérable. Mais voilà. Écoute, c'est pas moi qui le fais. Donc, désolé, frérot. Hein. Ça se fait plus à l'OBD maintenant. Ça dépend ce qui est monté dessus. Là, c'est les nouveaux générations de calculateurs. Et puis d'ailleurs, faut savoir que la bagnole, après, c'est un sapin de Noël. Je suis sûr que là, ça devait s'allumer de pas. Ouais, bah c'est ça. C'est incroyable. Et pourtant, vraiment, c'est très bizarre ce que je vais vous dire. Je suis vraiment tombé littéralement. Pour moi, c'est le meilleur délit au monde, frère. Mais tout le monde n'arrête pas de me dire attention, tu vas casser ça. Attention, tu vas voir ça. Dieu merci, pour le moment, j'ai pas eu de problème. Je sais que je vais en avoir. Mais là, pour l'instant, j'en ai pas eu. Mais ce qui est insupportable, c'est que dès que tu fais quelque chose avec cette voiture, la dernière fois, j'ai pris un Dodan, je l'ai à 120, frère. Bon, je la respecte, la voiture. Hein, voilà, décollé carrément. Quand j'ai reposé, tout s'est allumé. Je suis allé chez Peugeot, frère, et m'ont regardé. On disait, qu'est-ce que vous avez? On ne sait pas ce qu'il y a eu. Là, je ne sais pas. Ils m'ont dit, mais vous avez fait quelque chose? Je fais là. Non, non, peut-être j'ai pris une petite flaque un peu affriolante. Ils me disent, oui, ça arrive. Ouais, bah, c'est bien. Donc voilà, bah, là, il faut enlever tout le calculo. Heureusement, et en plus, tu vois, genre là, vraiment. Ce qui est bien, c'est que tout est à domicile. Parce que là, on n'est pas encore sur un truc, on l'envoie au mec, truc, il le truc. Non, ça non. Les nouvelles BM, d'ailleurs, vous êtes obligé là? Ouais, une nouvelle BM, ouais, c'est ça. On va y aller tranquille. T'as vu ça? Ce beau son que c'est, frère. Heureusement, t'imagines, là, envoyer le calculateur chez le frangin et qu'il nous le renvoie alors que non.
Donc voilà, écoutez, on va attendre Elder tranquillement, puis on va voir. C'est donné pour combien, ma poule, d'ailleurs? Après le stage? Ouais. J'ai plus les chiffres en tête. Mais là, c'est quoi? C'est juste une carto. Donc c'est, ouais. Vous allez la pousser au max ou il y a quand même une marge? Non, il y a quand même une marge. On respecte les tolérances constructeurs, ouais. et on cherche la fiabilité. Donc non, on va pas le mettre 3 bars. Putain, je voulais tellement, mais c'est Médéric, quoi. Médéric. J'ai dit à Médéric, s'il te plaît, viens, on fait un truc de dingue. Il m'a dit non, pas sur ça. Alors que Médo, il me suit sur toutes mes conneries, mais ça, il a dit non. Ah, ça. Mais quoi, c'est pas le bon outil, mais j'aurais adoré avoir 300 bourrins là-dedans. T'imagines, Marit? Certains sauts. T'imagines 300 chevaux là-dedans? C'est débile, frère. Le gros daron, cigare, sur l'autoroute qui écrase comme ça, et il pète le turbo. Bon, écoutez, on va aller se boire un petit café, parce que moi, je vois que Marie, là, aujourd'hui, t'es rincé, frère. T'as fait la Java? Non, même pas. Je suis couché tard. T'as caché à quelle heure? 4 heures. C'est beau. Donc là, tu es en train d'écrire. C'est ça. Combien tu m'avais dit d'ailleurs qu'elle était donnée pour combien du coup? J'ai pas entendu ma parole. 180 normalement. Ouais. Avec la reprog, on va être à 215 à peu près. D'accord. Si ça sort 180. On va être à 200 à peu près. Ouais, un peu plus de 200. Ouais. Un peu plus de 200. Écoute, j'ai hâte. J'ai très hâte. Je t'avais aussi demandé, mais ça, je pense pas que ça soit possible de cette manière-là, de m'enlever le start and stop. Ouais, non, pas sur les Peugeot comme ça. C'est génial. C'est différent. Voilà, ça aurait été une BM, ça aurait été faisable. BM, voilà. VAG, tout ça, pas de problème. Très bien. Je t'avais aussi demandé de m'enlever l'active sound. Bah non, c'est pas possible non plus. C'est un truc de ouf, cette bagnole. Ouais. Bon, après, vous en faites quand même ces moteurs-là ou c'est très rare? On en fait, c'est pas notre. Oui, c'est pas ton truc de tous les jours, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça peut arriver. Ouais, c'est assez répandu, le groupe PSA, les 6 THP. Oui, bien sûr. 3008, 308, il y en a un peu partout. T'en fais quand même. Ouais, on en fait. Ouais. Bien sûr. C'est les points, quand même, qu'on rappelle un peu aux gens, les points auxquels il faut faire attention sur ce moteur-là, c'est quoi? Bon, après, je suis pas spécialiste Peugeot THP. Moi non plus, ma poule. Mais ça tombe bien. Et Marie, encore moins. Non, je voudrais pas dire de bêtises, je connais pas assez bien ce moteur pour. Ouais. Moi, le point faible. Moi je pense qu'il faut pas le prendre. Comme ça c'est bon. Ouais, oui. Mais de toutes les manières on verra bien. Mais oui, je pense que en vrai c'est en fait, vu ma conduite, parce que cette voiture je la conduis à l'extrême limite, tu vois, vraiment. Et donc du coup je sais que je vais ressentir la différence. Ouais, le truc c'est qu'elle s'essouffle vite. Il y aura plus de couple. Ouais. Le couple est bon, hein. Le couple il est marrant, ouais. Tu vois, elle est assez vive, mais passé 2,20, il n'y a plus personne, frère. Mais bon, écoute, après on verra bien. Donc du coup, je suis quand même content parce que on attend quand même Elder. Ouais, Elder qui est parti en pèlerinage, frérot, avec le filtre. Putain, c'est dommage, j'aurais voulu un gros cône là, bien vulgaire. Moi j'aurais été capable, tu sais, d'enlever un anti-brouillard et de faire sortir le cône comme ça. Va pas tomber, Marit. C'est ton parasol? Oui. C'est très bien.
Je viens d'avoir LDR, il en a pour 30 minutes. C'est affreux cette route. Alors du coup On va faire un deuxième fichier, il manque un petit peu. On a gagné 20 chevaux là. D'accord. On est à 193, 195. D'accord. On va essayer de faire un petit peu mieux, on va attendre le filtre air pour que ça matche. Ouais, ok. Voilà. Donc là tu vas refaire quoi? Tu vas redemander un fichier au mapper? Ouais, mapper. On va demander de peaufiner un petit peu. Ouais, pour d'accord. Attendre au moins les 200. Tu montreras la courbe et tout quand ça ouais, sera fini. Sûr, ouais. On... Ah oui, il faut qu'elle sorte 200. Bah oui. Objectif. C'est ouf. On attend le filtre air pour faire bien les choses. Et... Oui, bah après, bon, le filtre, je pense pas que ça joue une grosse diff. Mais bon, après, ça homogénéise le truc. Au moins, on verra bien quoi. Bon, bah écoute, très bien. Je comprends rien. Qu'est-ce que t'as? Je voudrais connecter l'appareil au téléphone pour avoir toutes les vidéos que j'ai fait. Voilà, pour faire le montage maintenant, mais. Voilà, c'est génial. Ah, c'est un traducteur, je veux bien. C'est quand même génial. Voilà. Et quand j'appuie sur un truc, ça me demande de payer. Je pense que tu vas pas payer. Non, c'est mort. C'est mort. Oh, t'es de meurtre. Oh putain, des matins comme ça. Ah ouais, dès le matin quand même, Marit. Ouais, Marit, enfin, Marit. Bon, LDR, bienvenue. Ça va? C'était horrible? Ah là, les bouchons parisiens, franchement, c'était chaud. Hein. Parce que là, toi, tu venais de Cervon? Je venais vers de Carré-Sénart. D'accord. Exactement. Et j'ai mis presque 3 heures, oui. Donc là, les deux centres sont bien espacés, je le confirme. Oui, mais bon, au moins, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Du coup, je te fais le petit brief. Tu te rappelles quand on l'avait shooté? Je me souviens, on l'avait passé au banc. 181 chevaux. D'accord. Et là, elle a sorti combien? 160. 160, là, d'origine? Ouais. En fait, elle a perdu. Je lui ai mis 20 chevaux de moins. 160, combien? 167. Ça va. Oui, mais elle a perdu 20 cheval. 13. Ouais, 13, c'est le bon chiffre. Ouais, c'est le bon chiffre, ouais. Donc du coup, bah, on en était avec la carto qui avait déjà été faite. Donc là, t'es en train de mettre le filtre. Donc Elder, tu es resté sobre, sobre et simple. Le petit BMC qu'on le aime tant. Le BMC, le petit classique. Le petit, ouais, ça c'est vraiment le BMC, c'est vraiment classique. Ouais. Lavable, réutilisable et tout ce que tu veux. Non, là, c'est... Moi, ce que je voulais, c'était la grosse admi de mort là, le gros cône de mort. Ouais, mais bon. Comme je t'ai dit. Hein. Moi, là, je voulais le turbo. Là, c'est un petit stage 1, c'est ton véhicule de tous les jours. C'est mon véhicule de fonction. Voilà, c'est ton véhicule de fonction. Hein. T'es badgé Lyon maintenant. Ouais, non. Ah, mais c'est sympa. De toute façon, t'as 6 enfants. Ça, hein. C'est ouais, hors taxe, ouais. Hors taxe. Maman. Ouais, je te jure. Je vais rentrer le fusil dans le coffre, c'est bon? Ah ouais, là, il y a du coffre. Ça rentre. Ah là, il y a du coffre. D'ailleurs, attends, je vais peut-être voir parce que ça se trouve, j'ai même oublié quelque chose dans le coffre. Ça peut m'arriver, Elder, tu sais, moi, je suis très tête en l'air. Je vais voir ce que j'ai même dans mon coffre, mais généralement, je suis quand même quelqu'un de... Putain, j'ai ma chaise de Weimar. Merde. Marie, tu peux t'asseoir sur la chaise de Weimar, s'il te plaît? Oui, s'il te plaît. Non, mais ça va, mais t'as la vache? Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. 170, ok. Ah, ok, 170-191. Ouais, ça va, t'as gagné un petit peu de coups quand même. Oui, quand même. Attends, c'est bon. Maman, t'as même mis ton nom. C'est sûr. Merde. Oh, voilà. Imagine, je me casse. Oh. Attends, je l'ai pas cassé. Bah non, mais non, bah, je pense pas que tu l'aies cassé quand même, tu fais si pas si le poids. Veux, pendant le shoot, tu peux t'asseoir devant la ventile hein, si tu veux. Non, le fais pas parce que si tu la tues. Après, je vais devoir payer l'assurance. Merde. T'es bien dedans? Ouais, pas mal. T'es très bien. Allez. Vendu. Ok, mon Elder, bah du coup, voilà. Là, faut juste que tu patientes un petit peu, ils font juste un dernier fichier. Oui, oui, c'est ce qu'il me disait, voilà, mon poulain, il était en train de peaufiner tout ça. Parce qu'il y en a plein, ils se posent la question, ils se disent à chaque fois, chez ShiftTech, on vient, un fichier, on repart. Non, Mais non, quand même, c'est... Chaque voiture est différente, donc il faut renvoyer au mapper, tu vois. Chaque voiture réagit différemment. Voilà, il faut renvoyer au mapper pour qu'il puisse refaire 2-3 conneries. Mais putain... Mais là, si tu peux voir, par exemple, sur la courbe... Moi, j'aurais dû forger et mettre les arbres. Putain, ça aurait été incroyable. Non, non, mais demain, tu forges, tu forges pas là-dessus. Hein. Là, tu me fais mal au cœur. S'il te plaît. Mais là, regarde, pour te montrer un peu, tu vois. Vas-y. Au niveau du couple, tu vois, ça, 2005, ça s'écroule pour reprendre un peu après 3005. Ouais. Donc, on va essayer avec le fichier là de gommer ça, en fait. Ouais, que ça soit linéaire. Que ça soit bien lisse, ouais. Et que t'aies pas un trou sur la route. Est-ce que tu as déjà fait des grosses prépas sur ce moteur-là, Non, sincèrement, tout ce qui le est... Le plus que tu fais sur ce moteur, c'est quoi? Stage 2. Le stage 2, il y a quoi qui va de plus? THP 165, THP 180 PureTech, ouais. On s'arrête au stage 2. On n'ira pas chercher un stage 3.
aller mettre plus de 10 000 euros dans un stage 3 non, forgé, etc. Là-dessus, ça n'a c'est pas… C'est débile. Voilà. Mais le stage 2, qu'est-ce qui manque là-dessus? Qu'il faut faire quoi? Le stage 2, bah déjà, il faudrait des katas, mettre une ligne. Ouais, ça serait con là-dessus. Ça, c'est sûr. L'échangeur, pour moi, il n'y a pas d'intérêt en Ile-de-France, il fait assez frais. Ouais. Mais juste mettre une ligne, ça serait déjà bien. Ouais, juste le voilà. Decata. Et après, il faut savoir que sur ces moteurs-là, 75% des clients ne viennent pas pour un stage 1 ou un stage 2, ils viennent juste pour la prépa éthanol. Bien sûr, ma poule. Mais comme moi, je suis un abruti. Mais toi, c'est 98 à fond. Ah bah bien sûr, 98. Non mais bon, après, au moins, t'en auras fait. Hein. Bah oui. T'en auras fait. C'est rare que tu viennes que pour un stage 1. Oui, mais au moins, tu l'auras fait. Je l'aurai fait. Au moins, tu pourras dire, j'ai fait le 3008 du tonton. Voilà. Voilà. Et moi, je serai content parce que maintenant… Mais, parce que ce que je disais, c'est qu'à 2,20, ça commence à souffler. Ça commence à souffler. Ça manque de couple niveau agrément de conduite, c'est pas terrible. Mais ouais, là, tu vas voir qu'avec un petit stage… Oui, là, non, mais j'en suis sûr. C'est ouais, sûr. J'en suis sûr. Oui, tu non, connais, j'en suis sûr. Hein, tu sais que… Ah oui, j'en suis sûr. Et puis même celui-là, quand je te le dis que je l'ai emmené jusqu'au extrême… Mais bon, avec ce temps-là, j'aurais aimé faire le pot de yaourt et aller faire un essai sur la route. Oui, mais… Comme je te l'ai dit, celui-là, je le sentirais parce que comme je l'ai déjà emmené jusqu'à l'extrême limite, je sais comment elle se comporte. Donc du coup, je sais que je vais le sentir. Ça, c'est sûr. Tu me rediras mon Elder, comme ça, je filmerai le shoot pour voir combien elle a sorti définitivement. On va aller laisser écrire tout ça tranquillement. Il fait quoi de beau, Médo, aujourd'hui? Médo, paperasse aujourd'hui. Quand il pleut comme ça, c'est TVA, paperasse et tout relations ce qu'il bien, clientèle. Quoi. Ouais. Non, il est occupé aujourd'hui, il est à Tours là. Vous avez des nouveaux projets? Là actuellement, je peux pas te les dire. Ok. Parce que si tu le prends comme ça, je vais te les dire si en off. Si tu le prends comme ça, je vais te les dire en off. Mais oui, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Là, vous avez quoi? Là, la Lambo, elle est où? La Lambo, elle est à Tours. Ok. D'accord. Moi, je peux te le dire si tu veux. Oui, tu me le diras. Tu me le diras. Voilà, ouais. Je te dirai, mais tu sais que j'ai commandé une voiture. Oui, celle que tu m'as dit, oui. Voilà, qui a encore été décalée, mais bon. Celle-là, quand on va faire la vidéo, ça va chier. Ça va chier. Pour Noël, ça va être la guerre. Ça va être sympa. Et après, si, un nouveau projet, je peux te le dire, c'est que j'ai pris une Alpine. Ouais. Ah oui, d'accord. En février, normalement. D'accord. Et celle-là, vous allez pouvoir faire quelque chose dessus. C'est la mienne, et là, je vais voir ce qu'on peut faire, parce que déjà, elle est déjà. Là. Elle d'accord. est déjà bien équipée, je sais pas ce qu'il y a comme pièce dessus. Ouais. Mais bon, je vais essayer de faire un truc. Tu vas essayer. Okay. Voilà. Bah, de toute façon, on sera là pour filmer tout ça, mon cher Elder. Voilà. Donc là, Elder, on est parti pour le shoot final. Ouais, c'est parti. Ça souffle, hein. Ouais. Je crois que le banc fait plus de bruit que la bagnole. Ça, je te le confirme. Mais tu voulais pas l'Active Sound System? Ah non! Je suis. Non, ça non! T'aurais pu sélectionner Audi R8. Et... Non, merci! Merci Elder, c'est gentil, mais non, merci! Maman, c'est bien. L'hiver arrive. Donc voilà. Donc là, tu peux voir que d'origine, on a sorti 170 chevaux et 233 newtons. D'accord. Bon, ça fait pas attention, c'est la température dans la pièce. Et là, on est passé à 213 chevaux, 301 newtons. D'accord. Et comme tu peux voir par rapport au fichier qu'on a fait avant, on a gommé le trou qu'on avait. Ouais, la courbe est bien plus linéaire. Elle est beaucoup plus lisse, ouais. Maintenant, avoir une courbe tout à fait lisse avec avec la pression de turbo, c'est compliqué. Hein. Ouais. Bon, c'est déjà bien mieux. Non, c'est déjà bien. Franchement, là tu as bien gagné quand même. Hein. Ouais. Là, on parle 43 chevaux et tu as gagné 67 newtons, 68 newtons. Franchement, ça va être sympa. Non, bah oui, je pense que je vais vraiment sentir la différence. C'est sûr. Là, en plus, il fait beau dehors. Tu vas pouvoir faire patiner. C'est impeccable. C'est clair.
Donc là, on va te passer un petit coup de valise pour effacer tous les codes erreurs. Ouais, parce que là-dessus, il y en a une tonne. Hein. Bah là-dessus, même tu passes la voiture au banc. Oui, oui, je sais. 30 codes erreurs ouais, à la valise. Ouais, hein, sais, tu vas halluciner. Hein. Ouais, je sais, ma comme ça, tu repars, t'es vierge de défaut. Hein. Ouais, que de défaut. Que de défaut. Ouais, hein. Parce que. Parce que t'es pas vierge. Ah non, ça, moi, frérot, non. Ça lui mérite. Merci en tout cas, Loulou. Avec plaisir. Donc, ouais, là, tu vas mettre un petit coup de valise pour tout dégager. Voilà, c'est ça. C'est très bien. Ça, les défauts. Voilà, ça fait plaisir. Merci en tout cas. Bon, Elder, le mot de la fin. Bon, le mot de la fin, c'est que aujourd'hui, on fête les 15 ans de chez Shiftech. Bon anniversaire. Merci, ça fait déjà 15 ans. Les années passent super vite. C'est dingue. Hein. N'hésitez pas à aller voir sur le site. On fait moins 15% du coup pour l'occasion. Ça, la promo, c'est jusqu'au 31 octobre. D'accord. Très bien. Donc, on fait. Moins 15 sur les stages 1, éthanol, reproc de boîte, surtout. Ok. Sauf sur les pièces, après, ça faut nous demander un devis et on vous l'envoie. Très bien. Elder, merci beaucoup à toi. Bah, de rien, fais attention sur la route. Hein. Oui, ne t'en fais pas, hein, tu sais. De toute façon, on se voit bientôt. Oui, on va se voir bientôt déjà pour les projets à venir. Voilà. Et puis, moi, j'ai aussi d'autres projets à faire venir chez vous. Donc, ça va être très bien. Je suis quand même déçu que Médo n'ait pas voulu mettre le turbo. Ah oui, parce qu'à la base, c'est vrai que tu voulais un stage 3 avec un turbo hybride. Ah, mais après, on s'est dit, attends, on va retrouver Akram sur le rebord du périph. Avec le moteur, dans le sac. Là, tu crois que c'est vraiment pas du tout fiable? Non, c'est pas fiable. Impossible. Fiable. Non. Enfin, pas fiable. Qu'est-ce que t'appelles fiable? Ça sera fiable. Genre un délit. Non, mais ça sera pas fiable ouais. 30 000 ou 40 000 km. Impossible. Non, impossible. Impossible. Le bloc, il est moins fragile que les THP 156 ancienne génération. Ouais. Mais c'est pas assez costaud pour supporter ça. Là, on est par contre, là, on là, est. Là, on est safe, on est bien, on a un score un peu plus au-dessus de la moyenne que ce qu'on sort d'habitude, mais on sait comment tu roules, donc tu vas pas faire de départ arrêté avec la voiture. Non. Tu tires pas dedans à froid, ça va le faire. Mais non, là, on est super fiable. Rigole pas. Voilà, la famille, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Surtout, activez bien. Les notifications, vous mettez toutes, comme ça vous recevez tout. Après, libre à vous de regarder ou pas, hein. Pas le couteau sous la gorge. Ma petite Marite, merci beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, Marite? Après, là, il faut que j'aille voir Ben pour les photos, les vidéos, voir ce qu'on peut faire. Quoi. C'est très bien. N'hésitez pas à contacter Marie si vous avez besoin de shooting. Marie, photographie. Dans ma bio Insta, c'est plus simple. Marie, de i.pt. Très bien. Voilà. C'est très bien, Marie. C'est très bien de faire ça. Et puis voilà la famille. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à après pour une nouvelle vidéo. Salut.